Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Nous sommes vendredi 22 juillet 2022. Ça fait plus de 12 mois que je n'ai pas parlé devant la presse. Bien que de temps en temps je le fais par vidéo, cette fois-ci je me suis décidé de parler devant vous, à cœur ouvert. Je vais d'abord vous parler de la situation que vit le pays actuellement. Je vais vous parler de la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Cabon et ses conséquences. Je vais vous parler de la sortie médiatique de mon ami Franck Diongo. Et le prochain point de presse, ça sera sur la situation de l'Est. Ça sera sur la situation de l'Est et le comportement de la MONUSCO face à la guerre que subit la République démocratique du Congo. Tout le monde le sait. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises que quand un pays est en guerre, Mao Tse-Tung nous dit que ce n'est ni l'armement, ni la technique qui gagne la guerre, c'est l'enthousiasme populaire. Donc, une armée qui n'est pas soutenue par son peuple ne peut jamais gagner une seule guerre. Et en temps de guerre, dans les pays qui se respectent, on évite toute dissension, on évite toute division pour ne pas vous affaiblir vous-même et donner le flanc à l'ennemi. Et quand j'ai suivi récemment la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Kaboum à Kaboum, je me suis souvenu du combat de Mao Tse-Tung contre l'occupation japonaise. Parce que le Japon a occupé la Chine pendant 109 ans, un siècle et demi. Et Mao est venu faire la guerre pour se débarrasser des Japonais. Et sa seule stratégie pour gagner la guerre, c'était l'infiltration. Donc Mao Tse-Tung faisait infiltrer les jeunes filles les plus belles chinoises chez l'ennemi. Et en fin de compte, même si tu as un enfant avec cette fille, elle va finir par te liquider et rentrer en Chine. Et pendant que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a besoin du soutien de tout le peuple congolais. Sinon l'ennemi va nous envahir. J'ai comparé que le comportement de Jean-Marc Kaboum dans ce moment précis ressemble à l'infiltration. Pourquoi j'appelle infiltration? Pour que, effectivement, et notre armée, et notre peuple, c'est-à-dire l'opinion congolaise, ne se soucie plus de la guerre qu'on se soucie maintenant de Jean-Marc Kaboum. Donc l'ennemi peut occuper Butembo, peut occuper Beni, peut occuper Kisangani. Ici, nous sommes en train de parler de Kaboum. C'est de l'infiltration. Pour affaiblir et l'armée, pour décourager l'opinion nationale et oublier qu'il y a guerre. Parce que l'ennemi a plusieurs armes. Il y a les armes matérielles, mais il y a les armes psychologiques. Et il y a les armes de démobilisation. Et il y a des armes de découragement.
Alors, en ce moment-là, quand j'apprends que Jean-Marc Kabound demande au peuple congolais de ne plus soutenir l'armée congolaise, qu'il s'occupe plutôt du président Tshisekedi, j'ai dit que c'est le monde à l'envers. D'où vient-il? Donc, pour moi, je suis un spécialiste de la lutte politique de Mao Tse-Tung, comme je l'ai dit. Je suis un spécialiste de la lutte politique de Mandela. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a un sulfureux politicien qu'on appelle Julius Malema, l'ancien président de la jeunesse de l'AMC. Ce monsieur n'occupe aucun poste à l'Assemblée nationale. Mais il n'a jamais posé les actes que nous avons vu poser M. Jean-Marc Kabound à l'Assemblée nationale. Vous savez, même si demain on pourrait remplacer le président de la République, mais on ne va pas le remplacer par un casseur. Tout le monde a vu en plein jour que Jean-Marc Kabound, ce n'est pas un leader politique, c'est un casseur, un troueur de pneus. Même l'agent de roulage, le moins gradé, il ne trouve pas les pneus des gens. Comme Jean-Marc s'était déjà arrogé avec rang de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je pense, moi, personnellement, qu'il faut que je ressuscite mon école de formation de la classe politique congolaise. Vous divorcez avec votre mari. 3 jours après, vous ne savez pas ce qui va venir après. 3 jours après, vous commencez à dire, d'ailleurs, il pisse au lit. D'ailleurs, il ne donne rien à sa mère. D'ailleurs, il compte les morceaux de viande dans la marmite. Moi, Bitakwira, j'ai été un opposant farouche au président Tshisekedi. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et il y a beaucoup d'autres personnalités qui étaient très proches de Kabila, qui l'ont quitté. Mais on n'a jamais entendu aucun d'eux l'injurier. On n'a jamais entendu aucun d'eux parler mal de lui. Et moi, opposant, si tu fais l'opposition par élégance, j'ai fini par être ministre de Kabila à 2 reprises. Je lui en remercie d'abord, d'ailleurs. Donc, la politique, quand vous n'y mêlez pas de l'élégance, vous êtes barbare. Quand vous n'y mêlez pas l'élégance en politique, vous êtes barbare. Vous êtes petit. Vous êtes petit. Et donc, pour moi, je considère que M. Kabound a raté l'occasion carrément de se taire en dehors de démobiliser le peuple congolais. C'est comme s'il nous disait, ne marchez plus contre l'ambassade de Rwanda à Kinshasa. Ne marchez plus contre le Rwanda comme on le fait à Goma et à Bukavu. Venez d'abord m'aider à attraper le président Tshisekedi. Qui est l'ennemi de ce Congo? Finalement, c'est Tshisekedi qui devient l'ennemi du Congo, en lieu et place du Rwanda et du M23. Dépassons-nous. Pesons nos mots. Peut-être que vous allez dire Bitakwira est en train de défendre le président Tshisekedi. Non, je défends d'abord la République démocratique du Congo. Nous sommes menacés par un pays qui a la superficie de certains groupements de notre pays. Il faut que ce pays redevienne digne de lui. Et quelqu'un ne va pas sortir de n'importe quelle marmite pour venir dire, oh voilà, aidez-moi à chasser Tshisekedi. Qui s'est enrichi? Qui vit dans une opulence aussi exagéré que M. Kabound. Même au temps de Mobutu, on n'a pas vu ça. Au temps de Kabila, on n'a pas vu ça. Quelqu'un s'enrichit dans moins d'une année, dans moins de 2 ans. Et vous venez nous dire que vous allez aussi nous diriger. Si ce n'est pas M. Kabound, tout le monde l'a vu, non? Prendre les choses et casser en plein air. Ça devient une caisse de résonance. Oh là là, avec rang de premier vice-président. Parce qu'il a quitté il n'y a même pas 2 mois.
Les vacances des députés ont commencé le 15 juin. Nous sommes encore le 22 juillet. Soyons sérieux. Alors donc je disais que même s'il faudrait un jour remplacer le président Tshisekedi, on ne va pas le remplacer par un casseur. Un casseur, membre d'un parti politique, premier président de l'Assemblée nationale. Il n'était pas opposant à l'Assemblée nationale. Premier vice-président. Mais il prend les chaises et commence à casser. Même moi, si j'étais autorité de ce pays, je ne le nommerais même pas chef d'avenir parce qu'il va casser toute l'avenue. Je ne le nommerai même pas chef de quartier parce que tout le monde va fouiller dans le quartier. Alors pour moi, nous sommes un pays en guerre, nous devons y faire face. Nous sommes un pays en guerre, nous devons taire d'abord nos divergences, nous devons avoir la cohésion nationale. Et à maintes reprises, je l'ai déjà dit dans mes audios, intellectuels, pêcheurs, agriculteurs, étudiants, élèves, écoliers, levons-nous pour défendre la République. Que le Rwanda menace et le Rwanda est utilisé par certaines puissances. Ma grand-mère m'a dit, pour terminer certainement, que quand vous tombez dans une rivière, faites tout pour aller sécher vos habits. Si vous vous promenez avec des habits mouillés, on va vous confondre en vous. Kabunda a quitté l'UDPS il y a un laps de temps. Les habits ne sont pas encore séchés. Et quand je l'ai vu comme quelqu'un qui se promenait en public avec des habits mouillés. Donc, si ma grand-mère était là, elle allait me dire que c'est un fou. Je vous remercie. Merci, président, pour votre communication. Là, je vais faire des questions-réponses. On va aller dans votre temps. Vous avez des questions à poser. Je n'ai pas, comme introduit, je m'excuse, monsieur le modérateur, comme introduit, je n'ai pas parlé du cas de mon ami Franck Diongo, c'est un grand ami à moi. Les cas Franck Diongo, je ne peux pas les comparer au cas Jean-Marc Cabot. Franck Diongo a repris sa veste d'opposant. Il a repris sa veste d'opposant. Même moi, si j'ai décidé de quitter le président Tshisekedi aujourd'hui, je ferai la même chose que Franck Diongo. Mais je le condamne en un seul point. Le moment est très mal choisi. Nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas permettre que des leaders politiques s'engagent dans un combat et ne pas contribuer à ce que le Congo retrouve sa dignité, retrouve la partie perdue, retrouve la partie occupée par le Rwanda à travers l'M23 et les grandes puissances qui l'accompagnent. Uniquement, le moment est mal choisi. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Silas. Est-ce que vous opposez à Kabound parce qu'il s'est pris contre le régime pendant que le pays est agressé ou parce que Kabound a démontré les faiblesses du régime en place? Merci. Une deuxième question. On ne peut pas en même trois. Sinon. Monsieur le Tapira, Kabound avait eu tort de dénoncer le cas de Tshisekedi, de son plan de glissement de 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, si
le président Tshisekedi est arrivé à glisser à Nongaza un dialogue pour attirer d'autres opposants. Est-ce que vous serez d'accord avec ce plan? Oui, mon ami. C'est ce que tu veux. Oui. Je commence mon procès du jour. L'excellence, ce que Kabound a fait, ça nous rappelle aussi ce qui a été fait dans le passé. Vous savez, par exemple, l'opposant historique était un fondateur du MPR parti État. Il a divorcé avec Mobutu. J'ai fait presque la même chose juste après la mort de Mobutu. Il est resté opposant à Kabila père, Kabila fils. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que l'histoire est en train de se répéter, que les Congolais, nous faisons la politique de la même façon. Ceux qui s'opposent, s'opposent de la même façon que ceux qui se sont opposés hier, et ceux qui gouvernent aujourd'hui, gouvernent de la même façon que ceux qui ont gouverné hier. Pour vous en convaincre, on a vu par exemple les représailles contre Kabound. Un stade qui est construit pour un intérêt général qui n'a pas, il est interdit, on arrête les travaux, et maintenant c'est l'Assemblée nationale qui s'en mêle, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de diriger le pays? Il y a une autre manière de s'opposer? Merci. Je réponds d'abord à ce point que ça. Est-ce que je m'en prends à Kabound? Parce qu'il a, démontré les faiblesses du régime. Est-ce que je défends les faiblesses du régime? Je dis non. Ma même grand-mère m'a appris qu'on ne se rase pas à la nuque. Qui était l'acteur principal de ce régime? Il y a moins de mois. Kabound n'a pas encore fini un mois. Ou alors disons deux mois. Nous, nous avons quitté la MP en 2008-2009. Et nous avons créé l'IMC. Ça nous a pris 16 mois. Une année et 4 mois. Et notre sortie, nous l'avons faite 2 ans après. Donc, il ne faut pas être nostalgique. Que j'étais au podium à l'Assemblée nationale, maintenant on m'a descendu, alors vous allez voir, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Moi je suis psychologue de formation. C'est de l'émotion. C'est l'émotion qui lui a fait pareil. Et ce qu'il a dit aux Congolais, je crois que 99% était faux. Il était faux. Je ne défends pas les faiblesses du régime. Non, moi je ne défends pas les faiblesses du régime. Mais ça devait venir de quelqu'un d'autre, pas de Kabound. De quelqu'un d'autre, je comprendrai. Mais pas de lui. C'est très tôt. Il s'est taisé même pendant 2 ans. La troisième année, il parle. On peut croire. Chaque, tu m'as compris? Oui, que ça vienne de quelqu'un d'autre, pas de lui. Kabound a refusé le glissement de 2 ans. Est-ce que si aujourd'hui le président Tshisekedi décrétait le glissement, est-ce que je vais l'accompagner? C'est une présomption d'innocence. Nous ne sommes pas en 2016 où devait avoir les élections sous Joseph Kabila. Nous sommes en 2022, au mois de juillet. Il y a encore 5 mois de l'année 2022 et 12 mois de l'année 2023. Donc nous sommes à 17 mois de la fin du mandat du président Tshisekedi. C'est une présomption d'innocence. C'est une fausse accusation. Et puis il lui avait refusé quand et où? Pourquoi il ne l'a pas dit avant qu'on leur a dit de lui dépasser? Parce que j'ai dit qu'il lui faisait l'opposition de l'intérieur. Mais s'il avait dit à la chair de l'Assemblée nationale, on aurait cru. Tout ce qu'il dira aujourd'hui, c'est du mensonge. Pur et simple, à moins qu'ils s'adressent aux enfants de la troisième année maternelle. Mais s'ils s'adressent aux intellectuels et aux adultes, ils vont dire vous mentez. Vous ne l'avez jamais fait. Moi, en 2006, j'étais député à l'Assemblée nationale. J'étais membre d'un petit parti congolais pour la bonne gouvernance. Quand on convoquait les réunions de l'AMP, j'allais là-bas.
Mais au podium, je les saquais sérieusement. Et des fois, on me posait la question, vous êtes opposant ou vous êtes de la majorité? Non, non. Je suis de la majorité physiquement, mais intelligemment, je suis de l'opposition. Vous n'allez pas me faire gober des choses, moi j'admire. Kabunda veut parler où? Du mal du régime de l'UDPS ou de l'Union Sacrée. C'est lui qui a créé l'Union Sacrée. Il a mené les chefs à l'Assemblée nationale pour venir chasser les députés. Quelle immoralité! Même si les Congolais peuvent être trompés, mais qu'ils ne soient pas trompés par quelqu'un qui chiait pendant la journée et est dans la rue. Et puis il te trompe, non, je ne chie pas, je suis en train de pisser. Tu chies. Tu chies. Kabundi chiait pendant la journée. Maintenant il nous trompe, il était en train de pisser. Non, c'est faux. Tshisekedi était fondateur du NPR, il a quitté Mobutu. Kabundi aussi vient de le faire, c'est différent. C'est différent. D'ailleurs, je dois vous dire que l'UDPS, dans la clandestinité, elle a fait presque 2-3 ans sans être connue. Et c'est finalement en 82 qu'on a formalisé les statuts, sans être agréé comme parti politique. À partir effectivement de la lettre ouverte des 13 parlementaires. Et je vous informe que moi j'ai adhéré à l'UDPS dans la clandestinité, 6 mois après sa création, en 1983. J'étais déjà membre. Et mon comportement politique, j'hérite ça de l'UDPS. Mais alors l'UDPS, c'était comme une doctrine. Ça dépassait même la religion. De Mukuna ou de Mpo. Ça dépassait. Parce que nous y croyons et beaucoup de nous ont perdu la vie. Tu ne peux pas quitter un parti, dans un mois tu crées un autre. Les plaies sont encore très fraîches. Alors, si on vous connaissait comme un homme modèle, pas un casseur, on peut vous croire. Même si le Congo devient la robe du Christ dont se sont partagés les brigands, maintenant nous aurons des présidents casseurs. Ça n'arrivera pas. Même ma grand-mère pouvait le maudire. On peut continuer. Oui. Vous avez des questions? Oui, ma mission TV. J'ai deux petites questions, son excellence. Ma première question, c'est tout ce que M. Kabunda dit, est-il vrai ou faux par rapport à la situation actuelle que nous vivons? Et ma deuxième question, est-ce que le gouvernement actuel, nous avons un gouvernement de jouisseurs ou pas? C'est tout. Monsieur Bitakura, je voudrais savoir en quelle qualité vous parlez. Union sacrée, opposition ou tout ça? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que cette sortie médiatique n'est pas un appel de pied? Qu'est-ce que tu entends par appel de pied? Oui, vous avez bien compris. Non, ça va. Est-ce qu'on dit la parole? Je suis là aujourd'hui. Et si vous étiez demandé à votre grand-mère de vous donner le conseil au président Tshisekedi, qu'est-ce qu'elle vous dira? Merci. Allez-y. Bonjour, Michel Kouabi, donc tu trottes. Kabound a annoncé, on dirait de manière officielle, sa candidature à la présidentielle de 2020. Votre réaction par rapport à ça? Ouais, on peut répondre. Oui. Madame, on peut quand même la parole à Linda. Oui. Allez-y. Ma question est de savoir. Linda Kapinga, magazine CNN. Ma question est de savoir, Jean-Marc Kabound, dans ce dire, il a dit que le président Félix Tshisekedi représente un danger au sommet de l'État. Vrai ou faux? Ok. Je vais vous donner la parole. Merci. Tout ce que
Kabunda dit, est-ce que c'est faux ou vrai que c'est un gouvernement, de visseurs? Y a-t-il plus visseur que Kabunda? Y a-t-il plus visseur que Kabunda dans le régime ici? Moi, j'ai été élu député en 2006. J'ai acheté une parcelle de $2,000 à Kindondo. J'ai fini la maison en 2013. Donc, si le salaire du premier vice-président peut donner à Kabunda ce qu'il a eu dans 2-3 ans, j'ai dit que c'est fou. 80%, ça doit être venu d'autres cieux et pas de l'argent légal. Donc, si on peut parler des jouissances du régime de Félix Tshisekedi, le numéro un des jouisseurs, c'est Kabunda. Donc, si quelqu'un va nous dire qu'il y a un gouvernement des jouisseurs, que quelqu'un d'autre le dise, je le lui interdis. Je vous dis qu'on ne se rase pas à la nuque. Kabunda se rase à la nuque alors qu'il n'y a pas un miroir derrière. Est-ce qu'il y a un miroir derrière la nuque? Tu vas mal te raser? Que ça vienne de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous allez me dire, que ça vienne de quelqu'un d'autre. J'insiste. En quelle qualité je parle? D'abord, je l'ai dit et je l'ai toujours répété, moi je ne suis qu'un partenaire au président de la République. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Je ne connais pas où est-ce qu'on adhère, je ne connais pas leur bureau, je ne prends pas part à leurs réunions. Mais je suis partenaire du président de la République et je sais quand je le vois. M'a-t-il demandé de parler? Il ne sait même pas que je vais parler. Mais je me suis senti interpellé que ce soit Judas qui a vendu Jésus, qui vient encore dire non, non, c'était mauvais. C'était mauvais alors qu'il l'a déjà vendu. Jouissance. Tu sais, quand tu ne te prépares pas à diriger demain, tu deviens fou. Comment tu peux prendre le président de l'Assemblée nationale de prendre le rang de policier? Sans grave. Quand on ne s'est pas préparé à diriger, on devient fou. Le pouvoir, c'est aussi une folie. Quand tu as ramassé ça sans effort, c'est une folie. Regarde bien notre. Ma grand-mère peut autoriser qu'un casseur devienne président de ce pays. Ça viendrait à Bouba avant qu'elle dorme. Non. Olenga, si il m'était permis de demander à ma grand-mère de donner conseil au président ce que disait, ma grand-mère lui dirait ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République, que dans votre entourage, il y ait au moins 80% qui vous entourent des gens expérimentés. Ne prenez pas seulement 80% des gens qui viennent d'Europe et qui ne connaissent pas le pays. Et elle lui dirait encore, la guerre de l'Est, c'est votre croix. C'est votre croix. Que quand on fait la guerre à quelqu'un, il devient chef de guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Et je lui dirai encore ceci, ma grand-mère lui dirait encore ceci, que parmi les groupes armés à l'Est, il y a des groupes qui menacent la République, il y a des groupes qui défendent la République. Que si ces groupes-là n'étaient pas là, le Rwanda aurait occupé l'Est il y a 20 ans. Et que ces groupes-là, loyaux, forment l'ossature ou le socle de notre armée. Quand ils se battent par esprit, et ils connaissent les milieux. Des fois, quand je dis ça, on me dit que c'est très suicidaire. Non. Il n'y aura pas une armée
qui va gagner la guerre, qui n'incorpore pas les résistants au sein de cette armée. On ne gagnera aucune guerre. Certains de nos militaires, on les appelle les Babdatela Mikoua. Mais il y a des gens qui sont prêts, qui se sont sacrifiés des années, en train de défendre la République. Ma grand-mère finirait par lui dire que le destin d'un homme peut passer par la porte ou par la fenêtre. Maintenant, il faut savoir seulement quoi en faire. C'est ça. Olenga. Satisfait. Mais l'appel du Dieu, quoi, la question de... Oui, en quelle qualité je parle. J'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Je suis... L'appel du Dieu. Que je cherche un poste. Hein? Non. Vous savez, Bitakour a déjà tellement investi politiquement que je n'ai pas besoin de demander un poste. C'est mon destin qui joue. C'est mon destin qui joue. Je suis parmi les hommes politiques les plus connus. Je suis parmi les hommes politiques qui défendent de la République. Je suis parmi les hommes politiques qui dit toujours au chef de l'État de ne pas donner de l'importance à quiconque a déjà été dans les rébellions. Que ce soit les RCD, les CNDP, les M23, non, non, ces gens ne devaient avoir aucune fonction, civile ou militaire. C'est ça mon combat. Le poste, peut-être que j'ai un poste qui n'est pas connu. Parce que le temps que je passe avec le président, ce n'est pas n'importe quel ministre qui fait ce temps. C'est déjà beaucoup. N'est-ce pas? Merci. Excellence. Super excellence. Il y a une question ici en direct. Mm-hmm. Une personne, il a posé la question. Il m'a demandé que je puisse vous poser. Mm-hmm. J'allais poser la question à M. Bitakwira. Est-ce qu'il a donné conseil à Kabound à ces temps que ce qu'il fait n'est pas bon? Et je dis qu'il est sorti prématurément. Il est tombé dans l'eau, les habits sont encore mouillés. Et il est en train de se balader avec, sans que ça sèche. Est-ce que vous avez donné conseil à M. Kabound? Je l'ai déjà vu une seule fois dans un deuil. Je ne le connais pas. Par le Rwanda, par certains voisins, Naba Rebelle, Obango Batinda, Mboka Mamiso. Que sortie médiatique à Kabou n'a joué en l'eau du poula, a facilité tâche à l'ennemi. Au lieu que Batouno soit sangana, si vous avez à Monique, Baninga Naye est commandé par Rwanda Naba M23, ennemi en Mboka est commandé président de la République. Ndeni na dengeke wana ba infiltre ndeni basala kabungu tangu ya bitumba. Kenyoso alubi, ifale mtu mususu ndeni aluba yangu, yete. Baviseur, aza le premier. Ke tango mtu wazui bokonzi, ya mi prepare kia kozala bokonzi mkolo mokote, eza kalubula liboma. Paske tomona ye ndenge nini, azo buka bakiti na kati ya assemblée. Même Julius Malema, le plus inférieur à ma politicien sud-africain, dans la salle. Il est Malema, Zata, même pas rapporteur adjoint, dans le cadre de l'Assemblée, comme il n'y a pas de bango. Mais à salle, il n'y a pas de bango. Tout le monde a eu la bakouloune dans l'Assemblée, il n'y a pas de député. Les longs débats, ils savent ce que j'ai fait. Ils savent ce que les longs débats, je sais, il faut que nous ayons un bambou qui a été. Il y a un bambou. Mission à l'Isa, Alingi ba ennemi, Alingi ba Congolais va détourner attention
et pas na mission na bangonyo c'est pas naie babo sanake M23 et za na bunagane des missions à sali le reste ou a fundi fundi président biso pe ko sala opposition contre Kabila mais to funda ite to ba mabena ite parce que après ko sala ki opposant na na comme ministre balami balé Il y a Kabila Kakawana, où je peux dire que Bundana. Mon grand ministre, deux fois, c'est l'élégance politique. Ce que vous avez dit, l'élégance politique, c'est que vous avez dit que vous avez dit Donc on a assisté à un langage de barbare. On n'a pas assisté à un langage d'un leader politique. Merci beaucoup. Merci, les amis. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de N'Djili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombo-Kachi, dans la commune de La Gombe. Référence rond-point Forescom, venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala nango ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolisan ka na poche et na kosi na poche veste o voyager o memi yango partout. Dans le monde, ici, si vous avez donc, vous avez besoin de câble HDMI, courant na Internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc, vous avez plus de 500 chaînes, surtout à Kitoko. Bilingi, ba choix, ya Congolais, Congolais, comme tu as bango. Donc, Congolais, comme tu as bien. Congolais, comme tu as dit, et Lengini, yo, yo, kaka. Donc, Congolais, kaka, tu as bien. Donc, c'est la TV, ça. Il y a Banamboka. Bozo abonnement nango, okozo ango ya ne mobimba, okozo ango pe par mois, obengi bango, na ba numéro na bango, bozali komona. Donc, Sepela TV, ezali décodeur, ya yo, ya ngai. Donc, ezali, ya betrangete, ezali, ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de Javel, savon de Marseille, casserole et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Asosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano, 75 018. Wami Business,
avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution, là. Toujours. Salon Ngembe Wami, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.